l'informatique, ça donne une meilleure compréhension globale de notre action collective. Environnement Bois Construction existe depuis septembre 2005. Notre activité, elle est à 70% sur de la maison ossature bois et de la construction neuve et à 30% sur de la rénovation et du patrimoine. Au départ, en fait, j'étais seul. Donc, mon premier investissement, ça a été de l'informatique pour pouvoir moi-même faire la partie administrative tout en pratiquant mon métier de charpentier. Petit à petit, les collaborateurs m'ont rejoint et l'outil a muté. Très vite, on s'est mis à utiliser les smartphones et les tablettes. Après, ça a été l'outil de chiffrage facturation. Une fois que ça a été en place, on est passé au logiciel de dessin et on est passé sur des logiciels 3D, donc dédiés à notre métier. Une fois que cet ensemble pouvait fonctionner, on a travaillé sur la partie collaborative pour capitaliser tous ces outils informatiques pour tout le monde et à toutes les étapes de notre vie professionnelle, quoi. Ça permet de maîtriser son temps. Ça me permet aussi de faire en sorte que pour un client, on va peut-être faire 2 ans de chantier, il aura toujours l'impression d'avoir la même personne en face de lui. Ça permet d'avoir une réponse globale et collective à des travaux individuels. On a une nette amélioration de la qualité. Plus ces outils ont été mis en place, plus ils ont été utilisés, moins on avait de loupés. Donc, il en découle une meilleure rentabilité. Les objectifs, c'est de continuer, de garder cette fluidité. En termes de production, on commence juste, en fait, l'assistance informatique dans nos outils. Et donc, là-dessus, on va continuer à avancer pour qu'on soit le plus efficace possible.